la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je dois briller un peu parce que j'ai mis de la crème et j'ai chaud. Donc, mélange de crème et de chaleur, ça marche pas trop. Il est 10h du matin, on est dimanche 4. Vous avez vu ça? Donc ça, c'est les courgettes du jardin de David. Les trois petites courgettes rondes. Et ça, c'est des grosses courges qu'on nous a données d'un jardin à côté. A priori, ça serait des courgettes blanches. Elles sont énormes, elles ont été cueillies trop tard parce que le voisin n'était pas là. Enfin, donc quand il les a récupérées, ben voilà, elles avaient énormément grossi. Je voulais faire des courgettes farcies, mais je n'ai pas de steak haché. Donc ce midi, je pense que on va se faire une poêlée courgettes, filet de poulet, oignons, tomates. On va se faire une poêlée. Voilà, j'étais partie pour préparer la farce et tout, mais je suis déçue. Je suis déçue. Hein. Je pensais avoir du steak. Mince. Mais bon, ça va être bon quand même. Hop. Je m'installe. Voilà. C'est une petite poêlée. Ah, Alexis se réveille et va descendre. J'ai mon linge à prendre après. Faut vraiment que. Faudrait que je fasse un point là. Sur ce truc. Parce que dès que je me penche. Tac. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Du coup. Donc ouais, on va préparer. Bon, on a largement le temps parce qu'on va pas manger à 10 heures. Et il faut que mon petit poulet décongèle. Enfin bref, peu importe. Il fait légèrement moins chaud depuis hier. Hier, vous avez vu dans la vidéo du comment dire de la course cyclisme, de la course de vélo. Que les nuages, il y avait des gros nuages, il a plu hier soir et ce matin on a un grand ciel bleu, il fait bon, il fait pas trop chaud. Donc voilà, je vais profiter de ma dernière journée de week-end et de vacances. C'est fou quoi. J'arrive pas à croire que demain je rebosse quoi. C'est un truc de fou. Ben voilà, David il est parti ce matin à son jardin, donc, et puis voilà, il récolte ce qu'il peut récolter. On a quand même pas mal de trucs, hein. C'est quand même sympa. Un truc qui sont vraiment, alors c'est les os, il a des petits oignons, on a des petits oignons qui sont... qui sont très très bons, ils sont extrêmement bons qu'on mélange dans les salades par exemple ou n'importe où, on en met partout, on en a des milliards d'oignons. Ils sont tout petits, un peu style oignon nouveau, mais ils ont toutes les formes, enfin bref. Et ils sont à mourir, ils sont forts, enfin certains sont assez forts, mais voilà, c'est super bon. Donc là, on profite un peu de tous les trucs du jardin. Un truc aussi qu'on utilise énormément, qu'on a là, ici par contre, c'est la ciboulette. Alors avant, on avait beaucoup de persil, on en a pas, je sais pas ce qui se passe. Et la ciboulette aussi, vous allez dire, c'est des petits trucs, hein, la ciboulette, mais on en met partout, on en met sur les grillades, on en met dans les légumes, on en met dans les salades, partout. Moi, je mets de la ciboulette partout, puis on en met en grosse quantité parce qu'on en a énormément. Et chacun se régale avec ça, enfin... Trop trop bon, trop trop bon. Je sais pas si cet après-midi on va aller voir la course. Je vais regarder de nouveau à quelle heure c'est pas la même heure qu'hier. Je regarde à quelle heure elle passe parce que c'est la course cette fois, c'est la course féminine. Je sais pas si je vais y aller. Autant j'étais tellement enjouée hier, donc vous sur le vlog d'avant. Autant là, bah, je sais pas, je verrai. Je verrai comment je suis décidée, motivée, ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bon, j'attends que ma lessive se finisse là. Et je vous reprends plus tard.
Bon, voilà, j'ai tout découpé. Il est midi moins le quart, là. Tout découpé, mes ingrédients. Et je vais tout faire cuire en même temps. Donc, il y a les filets de poulet, tomates, oignons, parce qu'il y a deux poils, et les courgettes. Je vais me faire une petite fricassée de tout ça. Ça va être très bon, je pense. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Je vais assaisonner. Je vais mettre du sel, du poivre. Et il est où mon... Et je vais mettre un peu d'ail en poudre. Pour... voilà. C'est cool! Ce que ça va donner, mais bon, je pense qu'il faut laisser minimum une demi-heure, je pense, tout soit bien. Je vais essayer de jeter ça, tourner de temps en temps. Je suis tellement experte de cuisine que je doute de tout. Je profite un peu du soleil là. Là, il est juste bien en fait. Il n'est pas brûlant, il est juste agréable. Et j'attends que ça ait fini de cuire. Je vais laisser bien fondre tout ça. Je me fais rire toute seule avec mes termes. Bref. Cet après-midi, je vais pas. Je vais peut-être faire une petite marche. Peut-être, je sais pas, je vais voir. Ce qu'on fait, et sinon bah, je vais profiter de mes derniers instants d'avoir rien à faire et finalement avoir le temps de, en fait, quand t'as du temps, mais c'est génial quoi, c'est tellement génial. Bah écoutez, ce fut un régal, il en reste plein et c'était vraiment très très beau. Vraiment un délice de chez délice. Le soleil joue avec les nuages, enfin, ou l'inverse, ou les deux. Donc un coup, je suis en plein soleil, un coup, il y a un peu d'ombre. Mais je profite. Bon, allez, finalement, on va voir les femmes. Cette fois, j'ai la casquette parce que... Il y a quand même un peu de nuages, mais il fait chaud. Voilà, on va marcher tranquillement. C'est assez loin. De toute façon, les routes sont fermées. Toutes les routes sont fermées. Bon, là, je ne vais pas montrer tout le déroulement. Peut-être juste le passage du peloton. Hein. Parce que bon. Bientôt arrivé. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Pourtant, c'est affiché partout que les routes sont fermées, machin. Qu'essayer de passer en voiture, qu'essayer de forcer. Enfin. Alors qu'il y a la gendarmerie. Hein. Et c'est annoncé. Et depuis fin juin, on le sait. Peut-être début juillet, bref. Que les routes vont être fermées de telle heure à telle heure. Ils roulent comme un fou. Ouais. Putain. Alors que les routes sont fermées, il y a des gamins qui font de la trottinette. Qui jouent au ballon, machin. C'est lamentable. Lamentable. Je veux dire, on était informés depuis longtemps. Hein. C'est affiché partout. Enfin, il y a les motos qui passent.
encore une fois, c'était bien sympa. Ça fait une petite balade en plus. Donc c'est cool. Par contre, je suis à contre-jour en fait. Donc les nuages paraissent très noirs et tout, mais en fait ils sont blancs. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Là on se rentre. Et puis voilà, la journée va se... Enfin, c'est pas encore là. On est en fin d'après-midi. Voilà, on va faire des petits trucs tranquillous. Voilà, voilà. Je vais aller faire mon montage de ce vlog. Ouf. Il fait 24 dans la maison. Mais il fait plus chaud là-haut. D'ailleurs, demain, je travaille en télétravail, puisque je vous l'ai dit 150 000 fois. Mais donc, je vais être dans mon bureau et... Il fait chaud et il va falloir que j'ouvre les volets quoi, pour y voir quelque chose. On va voir. C'est surtout en plus quand je ferme la porte pour être tranquille entre guillemets. Hop, c'est la vaisselle qui se ferme. J'ai encore plus chaud. Là, je me plains pas, hein. Je suis en train de râler. Hein. Mais bon, c'est pour dire quoi. Hop, je range mes chaussures. Quand même, pour que rien ne traîne. Je vais monter là-haut. Enfin, je vais monter. Parce que forcément, Alexis est sorti avec un pote. C'est le bazar dans sa chambre. Quoique si je laisse fermer comme ça, je vois assez pour travailler. Mais il faut pas que je ferme la porte, quoi. Bref. Ça va me faire bizarre demain, je serai assise là pour travailler. Je me demande au niveau de mes mots de passe. Tout à l'heure j'y pensais et je me suis dit. Il y a des mots de passe, attendez, comment je vais mettre? Il y a des mots de passe, bah. Là, quand j'y pense, je les connais plus, mais peut-être que quand je serai devant le clavier, ça me reviendra naturellement. Enfin, j'espère. Écoutez, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.